Déjà, papa, je vais commencer par... Quand papa, vous avez prophétisé ici, je suis rentré, vous avez dit, vous, une porte vous attend. Ainsi m'a parlé l'Éternel. So say the Lord to me. Retournez en France. Return in France. Retournez rapidement. Return quickly. Retournez. Return. Vous, you. Il y a une porte qui vous attend. Retournez. C'était par rapport à mon football, comme j'ai vomi du sang, tout le monde le sait. Ça c'est qui? Who is that? C'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, papa, j'étais en plein test, préparation physique. Et directement, j'ai vomi le sang, je sais pas. J'étais en forme. Et directement, j'ai. Au moment où on doit le recruter, c'est là qu'un problème surgit. Regardez, il vomit le sang. He's vomiting blood. Regardez ça. Je veux qu'on filme ça. I want you to shoot. Parce qu'un miracle redoutable va s'accomplir dans leur vie et leur foyer. Que le monde soit témoin. Filmez ça. Capture this. Filmez. Capture this. C'est bien. Bien. Et je suis arrivé en France le même jour. Le vol n'a même pas touché le sol. Dès que j'enlève mes bagages, papa, j'ouvre mon téléphone. Quand j'ouvre le téléphone, je vois un message, un numéro qui m'a appelé. Je dis à ma femme, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui m'appelle? J'avais mon prophète dans la tête, je dis, ah, je vais voir ça aujourd'hui. Dieu m'a dit, retournez. God said, amen. Vous saurez que vous avez croisé un prophète you au Cameroun. Amen. Retournez. Amen. Retournez. Return. La main qui vous frappait a été retranchée au nom souverain de Jésus. Dès que l'avion atterrit, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai lancé l'appel. Je tremblais d'abord, il dit non, je ne lance pas, machin. Elle me dit lance. Je lance l'appel. Quand je lance, j'entends la voix d'une femme. Elle me dit oui, je suis la directrice d'un hôpital. Attends, je ne parle pas le nom. D'un hôpital, il faut venir travailler. Je dis attends, ça fait longtemps. Elle me dit oui, c'est monsieur Tchala. Je dis oui. Demain, vous commencez demain sans signer le contrat. Et vous signez ce contrat en CDI directement. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Wow. J'ai un fils footballeur ici. I have a footballer's son here. On dit qu'il a reçu une prophétie. He received the prophecy. Et qu'il y a des portes qui s'ouvrent. And he has doors that are opening. Et on va suivre son témoignage. And we will listen to his testimony. Dieu est un Dieu vivant. God is a living God. Bonne arrivée. Welcome. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, papa. Qui se souvient de lui? Oh là là, ça c'est bien. Oui. Papa, d'abord, ce que je peux dire, l'équipage est là. Je suis venu avec ma femme toujours. Bon. Elle doit venir, ma femme aussi, qui elle était là le même jour. Elle est où? Qu'elle vienne. Il y a aussi mon frère. Tout le monde, appelez tout le monde. Qui vienne. Il n'y a pas de problème. There is no problem. Le Seigneur est vivant. The Lord is alive. Aïe, 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 aïe. Bonne arrivée. Welcome. Soyez bénis. Hein? Merci. Content de vous avoir au milieu de nous. Ok. Déjà, papa, je vais commencer par moi-même. Quand papa, vous avez prophétisé ici. Je suis Tchala. J'ai joué ici au Cameroun. Le football, ici au Cameroun, on me connaît. Mes coéquipiers étaient en Coupe du Monde, cette Coupe du Monde, 4. On était là. Mais je ne sais pas, papa, quand je suis allé en France, tous les clubs que j'allais, que j'arrivais, dès que je fais les tests, en national, j'ai joué. Dès que je fais les tests, que ça arrive déjà au niveau où on me voit, je marque les buts, un défenseur qui marque les buts. Dès qu'on choisit déjà les joueurs, on me dit à la dernière minute qu'il y a un joueur qui a joué à Saint-Étienne, il y a un défenseur qui a joué en Belgique, en Ligue 2, et toi, tu te mets d'abord en réserve. C'est comme ça que je commence à passer, je me décourage, je m'en vais, je cherche le club. Et ça avait commencé, je devais signer un contrat. C'est là où... Tout a commencé, tout la carrière a basculé. C'était par rapport à mon football, comme j'ai vomi du sang, tout le monde le sait. Ça c'est qui? Who is that? C'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, papa, j'étais en plein test,
préparation physique. Et directement, j'ai vomi le sang, je ne sais pas. J'étais en forme. Et directement, j'ai. Au moment où on doit le recruter, c'est là qu'il y a un problème sujet. Regardez, il vomit le sang. He's vomiting blood. Regardez ça. Je veux qu'on filme ça. I want you to shoot parce qu'un miracle redoutable va s'accomplir dans leur vie et leur foyer. Que le monde soit témoin. Filmez ça. Capture this. Filmez. Capture this. C'est bien. Bien. Je suis rentré. Vous avez dit, vous, une porte vous attend. Ainsi m'a parlé l'Éternel. So say the Lord to me. Retournez en France. Return in France. Retournez rapidement. Return quickly. Retournez. Return. Vous, you. Il y a une porte qui vous attend. Retournez. Parce que la malédiction parentale, quand je mets l'huile sur vous, elle est brisée. Vous aussi, la malédiction que vous portiez est brisée. Où est l'huile? Where is oil? Au nom de Jésus. In Jesus' name. You are free. Is that leave? In Jesus' name. Au nom de Jésus. Retournez. Return. Repartez. Go back. Allez avec empressement. Votre histoire vient de changer ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Leur histoire vient de changer. Et je suis arrivé en France le même jour. Le vol n'a même pas touché le sol. Dès que j'enlève mes bagages, papa, j'ouvre mon téléphone. Quand j'ouvre le téléphone, je vois un message, un téléphone, un numéro qui m'a appelé. Je dis à ma femme, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui m'appelle? J'avais mon prophète dans la tête, je dis, ah, je vais voir ça aujourd'hui. Dieu m'a dit, retournez. Vous saurez que vous avez croisé un prophète au Cameroun. Retournez. Amen. Retournez. Return. La main qui vous frappait a été retranchée au nom souverain de Jésus. Dès que l'avion a atterri, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai lancé l'appel. Je tremblais d'abord, il dit non, je ne lance pas, machin. Elle me dit lance. Je lance l'appel. Quand je lance, j'entends la voix d'une femme. Elle me dit oui, je suis la directrice d'un hôpital. T'entends, je ne parle pas le nom. D'un hôpital, il faut venir travailler. Je dis attends, ça fait longtemps. Elle me dit oui, c'est monsieur Tchala. Je dis oui. Demain, vous commencez demain sans signer le contrat. Et vous signez ce contrat en CDI directement. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Wow. Et avec mon ventre, comme depuis 3 ans, moi je ne jouais plus au foot. J'ai dit, Seigneur, moi je laisse le foot. Bon, j'ai encore espoir. J'ai dit, ok. Malgré mon poids que j'ai pris, je suis là. Mes coéquipiers qui m'ont abandonné depuis commencent à me chercher, ils m'appellent au téléphone. Oui, viens signer ici dans un club de 5e division. Tu recommences, gars, il ne faut pas laisser. Viens signer ici. Je les ai dit. 3e division, viens signer. Machin. Non, tu ne peux pas nous dire ça, que tu arrêtes le foot. Je les ai dit, calmez-vous. J'arrive. Je vais. Je rentre d'abord chez mon père. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. À Yaoundé. Moi, je suis né à Yaoundé. Je suis un Tchinga. Mais depuis, j'entendais souvent les prophètes, ceux qui sont décédés, que je connais. J'ai jamais vu ça. Ça, on a un prophète. Oui. Papa, je suis très content. Je ne sais même pas. J'ai dit, je reprends le vol. Tout marche. Et je sais que tout marche. Et j'avais programmé mon mariage. Quand nous sommes venus ici, papa a dit, pourquoi vous arrivez ici, c'était dur. J'ai dit, le travail est déjà là. Même la banque me proposait l'argent sans me demander les papiers, les salaires, les bulletins de salaire. L'onction, dis à ton voisin l'onction. Lorsque l'onction est là, when there is an anointing, les portes s'ouvrent. Papa, on n'avait rien. Ma femme me dit, je suis parti, elle me dit, appelle la banque. J'ai appelé la banque. La banque me dit, je dis, est-ce que vous pouvez me débloquer l'argent là-bas? Comme la blague. Il me dit, venez. J'arrive, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Combien vous voulez? Je regarde ma femme, je dis, je ne sais pas. Il me dit, combien vous voulez, je ne sais pas. Il me dit, attends, moi je vais vous aider. Je dis, je vais me marier. Mais j'ai déjà quand même mes petits pièges que j'ai fait pour mon argent.
Si vous pouvez me donner ce que vous pouvez me donner, il dit, attends, moi, je vais vous aider. Vous voulez vous marier, vous, en France ou bien au Cameroun? J'ai dit au Cameroun. Il me dit, est-ce que je peux vous donner 30 000 euros? J'ai dit à ma femme. Wow. Après, je dis au banquier, moi, je n'ai pas les moyens pour vous rembourser. Il dit, il n'y a pas de problème, vous allez prendre l'assurance. Si vous ne le remboursez pas, l'assurance va payer. Wow. C'est comme ça, ils ont débloqué l'argent. L'argent était dans mon compte. L'argent, il est resté dans mon compte. J'ai enlevé ce que j'ai enlevé. J'ai complété avec ce que nous, moi et ma femme, on avait déjà. Et je suis parti lui remettre le reste. Je lui ai dit, c'est trop, je vais rembourser. On a rembourser. S'il te plaît, le reste. Célèbre Jésus. Celebrate Jesus. Papa, tout ce que vous avez dit, même sur ma femme, il y a la vidéo. Quand je vous ai vu dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à voir certaines choses. Dieu m'a dit de prier. The Lord asked me to pray. Vous avez une grosse étoile, you had a big star, une grande étoile, a great star. Mais il y a aussi un gros problème que vous avez, un gros problème spirituel. Il y a des attaques que vous avez subies pendant longtemps, des attaques nocturnes, des attaques dans la nuit. Je vais vous montrer quelque chose. I'll show you something. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques années avec monsieur qu'on appelait Richard. Et le Richard, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. Et cet homme vous a tellement aimé qu'il a fait un pacte avec votre nom. Et le pacte disait que même si vous êtes avec qui, la personne, votre relation ne sera pas heureuse. Et il a pratiqué. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Il a pratiqué. Vous me suivez? Il a pratiqué la sorcellerie sur vous. Parce que c'était un homme qui était omnubilé par vous. Obsédé par vous. Au point où il ne pouvait pas admettre qu'un autre homme soit avec vous. Parce que vous-même, vous avez une amie qu'on appelle Madeleine. You too, you have a friend called Madeleine. Hein? Vous avez une fille qui était une amie à cette époque qu'on appelait Madeleine, avec qui vous êtes séparé. Ça fait des années. Madeleine. Et cette femme est aussi une femme maléfique. And that woman was an evil woman. Vous me suivez? Do you hear me? Ce qui se passe dans votre couple aujourd'hui, what is happening in your couple today, c'est une pratique. It's a practice. Richard. Et c'est pour ça que je veux prier. That's why we pray. Et après ça, and after that, vous allez retourner. You'll return. Parce que vous avez des querelles qui n'ont because pas de sens. Have quarrels that are having vous avez des querelles qui n'ont pas. Parfois vous-même vous asseyez, quarrels. Vous demandez, chérie, you're j'étais le problème c'est où l'autre, je ne vois pas l'autre. Pourquoi on se bagarre même sur zéro? Why are we even fighting? C'est vrai. C'est une malédiction. It's a curse. Que Richard a fait sent sur vous. Upon you. Vous étiez encore à l'école you à l'époque. School, the times. Ça fait des milliers de vues. Oui, plus d'un million de vues. C'est que ma femme avait tout est fini. Parce que la malédiction parentale, quand je mets l'huile sur vous, elle est brisée. Vous aussi, la malédiction que vous portiez est brisée. Où est l'huile? Where is oil? Wow. Il n'y a que, elle a que le mal de. Des genoux. Okay. Le reste passe clair et net. Wow. C'est pour cela dans que la prophétie est claire et nette. C'est pour cela que nos enfants, voilà, pour la première fois, ils vont venir au Cameroun, papa. Papa, wow. Ils arrivent à partir du 27. D'accord. 27, 30, 31. Tous sont là. Ils vont venir assister à ce mariage. On va les recevoir. Et il y a notre ami qui nous a accompagné. Et papa, il y a mon ami qui est, il pleurait là tout à l'heure. Qui n'a jamais vu ça. Je ne sais pas, il a commencé à pleurer. Il est. Wow. Je lui ai dit, calme-toi. Je veux que papa va te. Parce qu'il a vu sur internet, il dit, attends, allons-y. Même les habits n'ont pas chargé. Bonne arrivée. Welcome. Parce que je l'ai vu, il est arrivé, il était tout souriant. Oui. Papa, donc, il est souriant comme moi. Hein. Ouais. Je ne sais pas entre lui et moi qui est plus souriant que l'autre. Oui, papa. Quand nous sommes venus, comme en France, c'est, on avait fait un dossier de mariage. C'est parti au diocèse de
Parce que papa, comme nous sommes français, oui. on essaie de marcher comme eux. Oui. Ils nous ont fait un dossier de mariage. Ils nous ont fait le suivi à, en France. Mm-hmm. Et le dossier a été envoyé au diocèse de Yaoundé. D'accord. Mais moi, j'avais déjà contacté ici parce que je voulais que notre mariage soit célébré ici. Mais c'était difficile oui. de, d'avoir quelqu'un. Je pense qu'il y avait une dame. Là où le numéro finit avec le 14. Mm-hmm. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler à papa? C'est urgent. La dame a dit c'est difficile d'avoir le père. Le père est beaucoup occupé. On a même essayé de faire un message. Mm-hmm. Le message était... c'était un message qui, je ne sais pas, ça renvoie automatiquement. Donc... et papa, donc... et là, c'est le biais de mariage. Seigneur, merci. Vous êtes invité, papa. Non, Père, je prie au nom de Jésus. Que ce mariage soit béni. Amen. Que ta grâce soit manifestée. L'onction qui agit en eux continuera d'agir Amen. Pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Jesus. Amen. 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 Papa, oui. Papa, et à lui, lui, oui. il avait sa voiture et il avait l'huile de faveur dans la poche. Il a fait tonneau avec la voiture. La voiture est finie avec ses amis. Ils sont sortis sains et saufs. Même pas la pression. Regardez, laissez-moi vous dire une chose. Quand on parle de l'huile de faveur, ce n'est pas les jeux. Ce qu'il raconte, moi-même, vous savez que j'ai vécu ça. Moi, dans notre voiture, ce n'était pas une bouteille qu'on avait. On avait le sac d'huile de faveur. C'est-à-dire que nous, on avait le sac. Nous avons eu un accident, on a fait 6 tonneaux. 6 tonneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec la Land Cruiser. Tu ne savais pas la marque de la voiture après l'accident. Au troisième tonneau, un ange du Seigneur est entré dans la voiture où j'étais. C'est moi qui étais au chauffeur. Et il m'a dit, n'aie pas peur, personne ne mourra. Nous sommes sortis, on avait la bouteille à gaz dans la voiture. On est sortis, personne ne s'est blessé. L'huile de faveur, la présence de Dieu. Toi qui joues avec l'huile de faveur, c'est pour ça aussi que tu peux au marché, tu ne vends pas. Les sorciers me mangent tes oreilles. Tu rentres dans l'oreille, là, demi-oreille. Parce que tu joues avec l'huile de faveur. Le matin, prie sur les enfants. Tu les oins, ils partent à l'école. Un sorcier tente là-bas, on l'enterre. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Ok. Papa, oui. Papa, mon frère, mon ami, oui. lui, quand, parce que je travaillais aussi avec lui avant de me rattacher à l'hôpital, lui, il m'a dit, il a trop de problèmes. Papa, je lui ai dit, non, calme-toi, on va aller voir mon père. Il fait la musique, talentueux. Mais ça fait un moment, il travaille avec les groupes de grands musiciens qu'on connaît, même ici au Cameroun, mais en Europe, les rappeurs, qui sont en train de le tourner, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes là jusqu'à quand? Papa, le mariage, c'est le 5 août. Hein? Il rentre le 10. Non, ça va. C'est-à-dire que le culte familial sera là dimanche prochain. Vous serez là dimanche prochain, c'est ça? Je serai là. Oh, c'est parfait. Je prie pour lui dimanche prochain. Il est mon invité personnel et spécial. Merci papa, merci. On va prier pour ça. Le Seigneur va vous bénir. Vous comprenez? Quand vous allez retourner, vous saurez que vous avez croisé un prophète ici. Que Dieu vous bénisse. C'est quelqu'un de très bien. Hein? Nous, on veut, c'est pas... Bon, papa, nous voulons vous remercier, je sais pas. Papa, je sais que c'est le début. Je suis très content, papa, je ne sais pas. Amen. Nous voulons vous remercier encore et encore. Ok, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Get on your knees, I will pray for you. Père, au nom de Jésus-Christ. Father, in the name of Jesus Christ. Leur reconnaissance Be a gratefulness, leur ouvrira encore d'autres portes qui n'étaient même pas prévues. That we're not prepared. Dans le nom souverain de Jésus. In the name of Jesus. Parce que celui qui s'abaisse et se rabaisse devant toi, c'est toi qui l'élèves, Seigneur. Élève-les. Bénis-les. Au nom souverain de Jésus. In the name of Jesus. Vous êtes bénis. You are blessed. D'autres ont pris. Some took, ils vont. They will go. Ils deviennent grands. And they become great. Ils ne reviennent jamais. And they never come back. Ils oublient Dieu. They forget about God. Mais vous êtes partis. But vous êtes revenus. Came back.
Félicitations. Congratulations. Je vais accepter votre offrande. I will accept your offering. Père, bénis encore cette offrande. Father, bless this offering. Que Dieu bénisse vos finances. May God bless your finances. Votre mariage sera béni stable. Your marriage will be blessed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Donc quand vous allez, on va finir le mariage. Moi, je suis encore béni ici. I will bless here. Hein? Quand vous avez fini, vous venez me voir. We'll finish, we'll come and le see Reverend Bassama. Reverend Bassama. Je dis comme ils sont avec mon ami personnel. With my personal friend, il faut leur donner mon WhatsApp. Give them my WhatsApp. Mon numéro comme ça. Qui my phone number. So on communiquera directement. We will share directly. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Shalom. Ok.